back to the roots, on revient au lave-vaisselle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors ça, j'avais envie de vous surprendre. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. On a déjà fait une vidéo qui concerne une marque qui s'appelle Fisher & Paykel, mais outre le fait qu'il y a des lave-vaisselles qui sont spécifiques, je voulais aussi vous donner une idée de ce qui est pour moi une évolution logique de l'électroménager et du lave-vaisselle. Alors vous connaissez tous les lave-vaisselles intégrées comme ceci, la grande porte, les tiroirs. C'est génial, c'est pratique, pas de souci. Mais évidemment, il y avait des marques qui ont été un peu plus loin, qui se sont dit, tiens, certaines personnes ont peut-être besoin d'entretenir, nettoyer les filtres, les traces blanches sur les verres. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, dites-le nous dans les commentaires, des traces sur les verres. Pourquoi? Alors aussi, il y avait des gens qui nous disaient, mais je veux un demi-charge, je suis toute seule, il me faut une température pour les verres, une autre. Et en fait, on ne savait pas forcément faire ça, parce qu'il y avait de la vaisselle qui faisait des demi-charges. Ok, mais quand vous avez une grande pièce, vous consommez l'eau pour tout. Eh bien, en fait, une marque a trouvé une idée. Alors évidemment, ça va changer votre façon de concevoir une cuisine équipée, concevoir un lave-vaisselle, mais c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir vous trouver d'autres nouveautés. Alors, un lave-vaisselle avec deux tiroirs. C'est tout bête, hein? C'est aussi bête que ça. Alors, on va un peu détailler. Une seule arrivée d'eau, deux tiroirs, deux températures différentes si vous le voulez. Alors, ça sert à quoi ça, deux températures différentes? Il faut savoir, si vous avez déjà eu le cas, quand vous utilisez des pastilles liquides et que vous mettez vos verres à trop de température, vos verres blanchissent. Si vous avez déjà eu ce phénomène-là, c'est en fait dû à une collision entre la lessive liquide et le verre. Quand il chauffe de trop, les pores du verre s'ouvrent, certaines qualités évidemment. Et donc à la fin, quand ça sèche, vous avez le verre qui blanchit. C'est pour ça que tous les verres ne se lavent pas à la température maximum. Mais certaines casseroles, certaines assiettes doivent se laver à très haute température. Et donc pour certaines personnes qui le souhaitent, vous savez avoir donc deux températures différentes. Ça peut fonctionner en même temps, ça peut fonctionner séparément. Vous faites ce que vous voulez. Et donc c'est un lave-vaisselle qu'on pourrait appeler multifonction. Mais un autre avantage que j'aime bien, d'abord l'accessibilité. Voilà. Alors est-ce qu'il y a moins de place? Ben, un petit peu. Mais franchement, la place, c'est pas ça qui est le plus... C'est pas du tout embêtant. C'est vraiment surtout de revoir les choses. Mais vous cassez un verre dans votre lave-vaisselle, il faut aller dans le fond, il faut mettre sa tête dedans, etc. Ici, tout est là. Vous savez, ramasser facilement si vous avez des morceaux de verre. Autre chose très importante, le nettoyage du filtre. Venez voir. Alors l'entretien, vous le savez, on a déjà fait des vidéos à ce sujet, l'entretien est super important pour un lave-vaisselle, aussi bien les filtres que la cavité. Et ici, regardez, vous savez enlever facilement l'intérieur de votre lave-vaisselle et donc accéder au filtre. Voilà, vous savez débloquer le filtre. Voilà, vous tournez, hop, on accède au filtre facilement, on nettoie les hélices, tout ça de manière facile et accessible pour le dos. Alors c'est vrai que ça va peut-être changer, ça perturbe un peu nos habitudes à nous, mais c'est ça qui est sympa avec cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir vous montrer des choses où on se dit « Ah tiens, c'est pas bête, c'est pas con, c'est nouveau, est-ce que c'est fiable ?» Pas de problème, jusque-là, c'est une marque qui est distribuée en Belgique, pas de souci, c'est tout à fait sérieux. Effectivement, à l'heure actuelle, ça a un certain prix, mais imaginons plusieurs choses, facilité pour le dos, deux températures différentes ou une seule grande température, des demi-lave-vaisselles ou des lave-vaisselles entiers. Tout est hyper simple avec ce type d'appareil. Et grâce à ça, ben, on va un peu changer notre quotidien en cuisine équipée. Alors, imaginez charger votre lave-vaisselle sans devoir vous abaisser. Maintenant, rassurez-vous, il y a des Facinox et également des façades de meubles dans le même coloris que votre cuisine équipée. Ce n'est pas un souci. Vous mettez vos meubles, mais imaginez-le aussi le vider sans devoir vous abaisser à terre. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de pouvoir vous montrer ce lave-vaisselle Fisher & Paykel. Plus d'informations sur notre site de vente en ligne ou en magasin. Vous le voyez, il est exposé. Ça commence vraiment, les habitudes commencent vraiment à changer et c'est ça qui est super excitant dans notre monde de cuisine équipée et d'électroménager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.